Chers paroissiens, bonjour. Demain, nous célébrerons le mercredi des cendres. Les cendres sont une tradition très ancienne dans l'Église que nous pratiquons depuis le IXe siècle. En fait, recevoir les cendres pour symboliser la pénitence et le repentir est une tradition qui est vécue par beaucoup de religions. Dans notre Église catholique, c'est en faisant un signe de croix sur le front, que nous sommes tracés du signe du Christ avec les cendres. Cela nous rappelle que notre vraie vie, à nous les chrétiens, ne peut se séparer de la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour nous sur le bois de la croix et ressuscité au matin de Pâques, et qu'ainsi, notre vraie demeure est en fait le ciel. Vous êtes envoyé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, le carême nous est en fait donné comme un temps qui nous prépare intérieurement à la mort et la résurrection de Jésus. Ce carême, qui est un long temps de 40 jours, va commencer avec ce mercredi des cendres. En fait, ce jour n'est pas un jour qui est fixé, puisqu'il dépend du jour de Pâques. Et la Pâque chrétienne est une date qui est mobile. Le jour de Pâques est le premier dimanche qui suit la pleine lune du printemps, c'est-à-dire la pleine lune après le 21 mars. La raison est toute simple. Lorsque Jésus, le soir du jeudi saint, prenait son dernier repas avec ses disciples, le jour de la scène. Que faisait-il ? Il célébrait la Pâque juive, qui commémorait le jour où Dieu avait permis à son peuple de passer la pierre rouge à pied sec. À l'époque, il fuyait les Égyptiens, il n'était pas comme aujourd'hui avec des camions et des phares devant les camions. Il fallait donc attendre la pleine lune. De plus, il valait mieux être extrêmement discret. Il ne fallait pas allumer de torchères ou de lampes. Ils ont attendu la pleine lune, la lune du mois de Nisan, pour partir. Et c'est donc vis-à-vis de cette date, l'arrivée de la lune, de la pleine lune, que la date de la Pâque va être fixée chaque année. C'est le Concile de Nicée qui en 325 va en prendre la décision. On aurait pu imaginer faire comme pour Noël et fixer la date de Pâques, par exemple au 25 mars ou au 4 avril, que sais-je, comme pour Noël, qui tombe le 25 décembre. Non, pour ne jamais oublier que cette Pâque chrétienne s'enracinait au moment de la Pâque juive, le Concile de Nicée prenait cette décision en 325. Et c'est pour ça que le mercredi des cendres évolue entre le 4 février et le 10 mars. La durée de 40 jours pour le carême a été fixée au 4e siècle. Et entre le 6e et le 8e siècle, il y a une pratique de jeûne qui va prendre le dessus dans l'Église. On prend conscience de la nécessité d'éprouver dans sa chair une faiblesse, un manque, pour mieux découvrir combien nous avons besoin de Dieu, de son amour tout-puissant, de sa présence, de sa prévenance, de son aide, de sa grâce. Lors de l'imposition des cendres, le prêtre va donc tracer une croix sur le front des fidèles, tout en disant une des formules prévues par le missel, soit la traditionnelle expression « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », nous rappelant la réalité de notre vie et de notre destinée, soit cette autre formule proposée « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile ». Il nous permet de comprendre que
Bien, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il faut peut-être aussi que nous prenions conscience que si Jésus est venu pour nous dire un certain nombre de choses, ça vaut le coup de l'écouter, et qu'il est nécessaire que nous nous convertissions parce que nous ne sommes que de pauvres pécheurs et que nous sommes parfois loin de ce que Dieu attend de nous. L'usage des cendres pour symboliser la pénitence est, disais-je, très ancien. Les Juifs aimaient beaucoup ce rite. Ils avaient l'habitude de se couvrir de cendres à de nombreux moments, et particulièrement lorsqu'ils offraient un sacrifice. C'est une tradition qui existait aussi à Ninive. Les habitants de Ninive aimaient beaucoup ce symbolisme. Dans les premiers siècles de l'Église, les personnes qui voulaient recevoir le sacrement de la réconciliation, de la pénitence, se confesser, le faisaient le jeudi saint, et se mettaient de la cendre sur la tête. Ils extériorisaient publiquement le fait qu'ils étaient souillés par le péché. Et ils se présentaient devant la communauté revêtus de l'habit de pénitence pour manifester leur volonté de se convertir. Dans l'Église, l'imposition des cendres au début du carême est en vigueur, disais-je, depuis le IXe siècle. Il nous rappelle que, à la fin de notre vie, nous n'emporterons avec nous que ce que nous avons fait pour Dieu et pour les autres. Comme disent les braves gens dans nos campagnes, nous ne connaissons pas de gens qui aient embarqué leur coffre-fort dans l'éternité. Seules nos richesses spirituelles pourront être emmenées. Alors, c'est vrai que quand on regarde notre propre vie, nous avons tous nos qualités et nos défauts, nos faiblesses, nos vertus. Dieu a mis en nous ce que l'on appelle des talents. Et la question qui nous sera posée au bout du chemin de notre vie est la suivante. Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de ces dons que j'ai mis en toi? As-tu été capable d'aimer comme Jésus te demandait d'aimer. Souvenez le commandement de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, pas n'importe comment. C'est pas seulement savoir qu'il pourrait peut-être bien exister. L'aimer, et l'aimer totalement, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de tout son esprit. Ce n'est pas forcément si aisé que cela. Quel est celui qui peut dire qu'il a vraiment vécu cela tous les jours de sa vie sans hésitation? Et puis il y a le commandement de Jésus aussi qui s'accompagne au premier qui dit « Tu aimeras ton prochain ». Quel est celui qui peut dire qu'il a toujours aimé son prochain, comme aimait le dire notre ancien archevêque Monseigneur Palier? Quel est celui qui peut dire qu'il a toujours aimé sa cochonnerie de prochain? C'était un peu désinvolte comme propos, mais saisissons bien. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais eu du mépris pour quelqu'un? Vous êtes sûr que vous n'avez jamais eu de ressentiment contre quelqu'un? Vous êtes sûr que vous n'en avez jamais voulu à votre prochain? Êtes-vous certain de l'aimer? Y a-t-il des gens que vous détestez dans votre vie? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Êtes-vous sûr que vous êtes toujours respecté dans ce que vous disiez, faisiez, pensez? Mon Dieu, comme c'est compliqué d'être un être humain et de devenir un saint. Et c'est là qu'au début de ce temps de carême, l'Église nous encourage à réfléchir sur le sens de la pratique du jeûne et de l'abstinence. On veillera à ne pas vivre le jeûne et l'abstinence comme des minima, mais comme la façon concrète que notre Sainte Mère et l'Église nous propose pour que grandisse en nous le véritable esprit de pénitence. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. J'ai besoin de progresser, je veux demander l'aide de Dieu.
Il va y avoir mes efforts, l'action de la grâce, et petit à petit, je souhaite que ma vie se transforme. Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord les œuvres extérieures, le sac et la cendre, les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et mensongères. Par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes, des œuvres de pénitence. Relisez un petit peu la Bible. Regardez le livre d'Isaïe au chapitre 1, les versets 16 et 17, dans saint Matthieu au chapitre 6, au début du chapitre 6, de 1 à 6 et de 16 à 18. C'est un combat que nous propose l'Ancien et le Nouveau Testament, le combat de notre conversion. Alors, c'est important de bien saisir qu'il ne s'agit pas seulement de faire des choses, mais il s'agit de se laisser habiter par la puissance même de Dieu, la puissance de son esprit, car c'est lui qui va nous transmettre cette sainteté qui est en lui, car Dieu seul est saint, et Dieu seul est trois fois saint. Dans le Nouveau Testament, Jésus évoque la raison profonde du jeûne et stigmatise l'attitude des pharisiens qui observaient scrupuleusement les prescriptions de la loi, mais dont le cœur était loin de Dieu. Le vrai jeûne, dit par ailleurs notre divin maître, consiste plutôt à faire la volonté de notre Père du ciel, qui voit dans le secret et qui nous le revaudra. Vous avez ça au chapitre 6, verset 18 de saint Matthieu. C'est important de bien comprendre les enjeux de ce jeûne ou de cette abstinence. Alors, quand je jeûne, j'allais dire qu'il y a le minimum vital qui est demandé à l'Église pour ceux qui ont la force de le vivre. Si vous êtes malade, si vous êtes âgé, si vous êtes un petit enfant, les choses peuvent être différentes. Mais l'Église vous dit, bien voilà, jeûner c'est important, et je vais oser vous dire une chose par cette expérience personnelle qui est la mienne. Lorsque nous jeûnons, c'est un effort, une privation, qui n'est pas forcément coûteuse, mais qui entraîne de la fatigue. Parce que si nous n'avons pas le nombre de calories nécessaires, c'est vrai que nous ressentons dans notre corps un manque, une fatigue. On a du mal à avancer. Ça permet de comprendre que nous avons besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être fortifiés. Par qui? Par le Créateur et Maître de tout qui nous aime et que nous appelons Dieu. Dieu notre Père, que Jésus nous a révélé comme un Père qui, réellement, ne s'est pas seulement contenté de nous donner la vie, mais de nous aimer. Lorsqu'on a compris notre faiblesse, on comprend aussi beaucoup mieux ce que Jésus a vécu durant cette semaine sainte. Être trahi par les siens, c'est quand même quelque chose de difficile. Nous le ressentons bien dans notre vie personnelle. Être trahi par Judas, c'est une catastrophe. Il avait mis en lui toute sa confiance, et la communauté chrétienne primitive qui commençait autour de Jésus en avait fait tout autant. C'est toujours douloureux d'être trahi par les siens. Et vous remarquerez qu'il va être arrêté suite à ce fameux baiser de Judas. C'est difficile de supporter l'hypocrisie des gens qui font semblant. La faiblesse, la douleur intérieure fait que bien souvent nous révoltons. Jésus l'a accepté par amour. Il va être arrêté, il va être injustement condamné. Il accepte là cette réalité par amour pour nous sauver. Il va être flagellé,
couronnée d'épines. Quelle souffrance! Il va l'accepter par amour pour nous. Il va devoir porter sa croix et supporter les quolibets. Il va l'accepter par amour pour nous. Il va tomber à 3 reprises. Il va être dépouillé de ses vêtements. On lui prend même sa dignité. Puis, ils vont arriver, tous ces gens qui se précipitent sur lui pour le crucifier. Il va connaître les souffrances de la croix, de l'agonie, de la solitude sur la croix, la réalité des tentations. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis cette coupe s'échapper de mes lèvres. Il va connaître cette terrible réalité de la mort, où il va connaître la négation lui-même, car il est l'auteur de la vie, et par amour pour nous, dans cet abaissement et cette faiblesse qui est la sienne, il va connaître le don total de lui-même. C'est dans la faiblesse et la souffrance que l'on offre sa vie. Au cœur même de ce jeûne que nous vivons chaque année et que nous sommes invités à vivre de temps en temps, il y a là une réalité importante, c'est dans la fragilité de mon être, eh bien je suis en train de découvrir qu'à la suite de Jésus, moi qui ne suis qu'un pauvre type, il va falloir que je sois capable de m'offrir, de me donner. Mais pour cela, j'ai besoin d'être aidé. J'ai besoin d'être soutenu. Et c'est dans ce jeûne que je ressens le désir de Dieu, le désir d'être aidé par lui, le désir d'être soutenu par lui, le désir d'être avec lui. Alors, dans mon existence personnelle de chrétien et dans mon expérience de prêtre, je vous dirais, le jeûne est important. Il ne faut pas être imprudent. L'Église ne vous a jamais demandé de mettre en péril votre santé avec des jeûnes qui seraient inconsidérés. Le jeûne doit être choisi avec son confesseur s'il est important. Car il est nécessaire qu'il y ait un avis extérieur pour dire « mais écoutez, vous avez raison, vous pouvez y aller » ou au contraire « écoutez, non, là vous êtes peut-être un petit peu excessif ». Mais le jeûne reste une pratique très importante pour nous les chrétiens. Car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et c'est dans ma faiblesse que je perçois la présence de Dieu. Après, pour la question de l'abstinence de viande, il est certain que c'est une chose qui est un petit peu mal comprise par un certain nombre de chrétiens. Quel est le sens de pouvoir manger du poisson? C'est quand même une forme de viande. Oui, mais c'est du poisson. Pourquoi ne pas pouvoir manger de la viande et ne pas pouvoir consommer le jus de la viande? Qu'est-ce que cela veut dire? Les explications sont très nombreuses. Je me permettrai en ce début de carême de vous en donner une qui vous permettrait peut-être de réfléchir un petit peu. Pour moi, dans ma vie de chrétien et de prêtre, l'abstinence de viande n'a jamais été un effort parce que manger du poisson ou des œufs ne me fait absolument pas souffrir. Et puis, si je ne pouvais pas en manger, être végétalien l'espace d'une journée ne m'empêcherait pas de vivre. Ce n'est pas un effort pour moi, mais c'est pour moi un signe d'obéissance à l'Église. L'Église me demande de faire abstinence de viande. Personnellement, je l'ai toujours fait. Et je ne l'ai pas fait uniquement parce que c'était la règle, mais avec le souci de reconnaître que lorsque l'Église me demande quelque chose, même si ça me dépasse, je l'accepte. Parce que l'Église n'est pas une institution seulement humaine. Elle n'est pas seulement cette procession de tordus et de pécheurs, comme j'aime à le dire, à laquelle nous appartenons tous. L'Église est en fait le corps mystique du Christ qui est animé par l'Esprit Saint. Et il est important que je sache écouter l'Église en me disant «
puisqu'elle est animée par l'Esprit Saint, c'est le corps mystique de Christ. Lorsqu'elle me demande quelque chose, c'est important. Et personnellement, j'y ai toujours vu la voix du Christ qui se tourne vers moi, lui le Verbe de Dieu, et qui me dit, ben écoute, je te demande d'obéir, parce que l'obéissance, c'est important. Que tu fasses des efforts, c'est très bien, mais que tu saches te dire, il n'y a pas que ma volonté, il n'y a pas que ce que tu penses, il n'y a pas que ce que tu veux, mais il y a ce que Dieu pense et ce que Dieu veut, c'est important. L'obéissance à l'Église, c'est pour moi l'acceptation de la souveraine puissance du Christ et du fait que je ne suis qu'une créature aimée de Dieu et dans la main de Dieu, et je ne suis qu'une créature qui se doit d'accepter la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous remarquerez, frères et sœurs, que lorsque vous avez des petits-enfants dans vos familles, vous aimez bien quand ces enfants sont obéissants. Parce que c'est pour leur bien. Il faut qu'ils puissent apprendre la réalité de la vie. Eh bien, je crois que notre obéissance à l'Église découle de ce même sentiment. Je me dois d'être obéissant à mon Père qui est dans les cieux, à son Fils Jésus, qui est le Verbe de Dieu et qui, par son Église, me dit, bien écoute, apprends à ne pas faire ce que tu as envie, mais ce que tu dois. Et puis, ça me permet, comme pour le jeûne, de me tourner vers le ciel et de demander au Père et au Fils de faire descendre en moi l'Esprit Saint. Il procède du Père et du Fils, pour que l'Esprit Saint m'aide petit à petit à me transformer. Car vous remarquerez que dans votre vie personnelle, ce n'est pas vous qui vous transformez, parce qu'on fait des efforts momentanément, mais rapidement, même si on a donné un coup de collier, on a envie d'arrêter. Donc, on a vraiment besoin d'être soutenu et guidé. Alors concrètement, j'allais dire le minimum vital demandé par l'Église, c'est donc de faire jeûne et abstinence le mercredi des Saintes. Jeûner, c'est prendre tout simplement une petite collation avec un repas tout simple. Se priver volontairement dans cet esprit, que je crois être très saint, ressentir dans ma faiblesse le besoin d'être aidé et aimé de Dieu. Et ça n'a un sens que si ça se fait dans la prière. Ça n'a un sens que si c'est offert à Dieu. Et ça n'a un sens que si cette économie toute simple que je vais faire, je ne la garde pas dans ma poche, mais me conduise à un partage. Il me rappelle que le temps du carême est aussi un temps de partage où il faut que je sache donner. Alors ça peut être de donner des réalités matérielles, de l'argent, c'est vrai, on a beaucoup de sollicitations en ce moment, mais ce peut être aussi donner de mon temps, de mes forces, de ma présence, de mon écoute, de mon amour à ceux qui m'entourent, mais aussi à l'inconnu. Alors, le jeûne, on comprend bien, c'est une privation de nourriture. Nos évêques en France nous rappellent qu'il peut y avoir d'autres manières de jeûner. Si vous êtes un peu accro de la cigarette, peut-être pourriez-vous jeûner un peu, remarquez, ça vous ferait du bien pour la santé. Mais ce n'est pas facile. Si vous êtes un peu accro à votre apéritif du dimanche, en famille, c'est pas mal, c'est sympathique. Tant qu'il n'y a pas d'excès, pourquoi pas? Mais ce peut être aussi une petite privation. Vous pourriez peut-être vous priver un peu de télévision. Ça ne vous ferait pas forcément de mal. Et ça ne ferait pas forcément beaucoup de mal à vos enfants, bien au contraire. Mais se priver de quelque chose qui est devenu habituel et qui est devenu pour moi un besoin. Et c'est à chacun de réfléchir. Quel est l'effort que je peux donner à Dieu pour lui exprimer mon amour, ma fidélité et le besoin qui est le mien d'être aidé. Et c'est là qu'on entre dans la notion d'abstinence. Bien sûr que c'est une abstinence de viande, traditionnellement, mais je pense que l'abstinence de cigarette, c'est pas mal pour ceux qui sont accros. Je pense que l'abstinence de petits gâteaux ou de bonbons pour les enfants,
n'est pas si mal. L'abstinence de la bouteille de vin sur la table, quand on a l'habitude de mettre une bouteille de vin ou du petit apéritif, c'est pas forcément si idiot. Il n'y a pas que le fait de jeûner, mais il y a le fait de se dire je vais m'en passer. Et c'est là que nos évêques, depuis pas mal d'années maintenant, essayent de nous ouvrir à une réalité qui est celle du vrai jeûne et de la véritable abstinence. Si je me prive de quelque chose, c'est pour ressentir un besoin, le besoin d'être aidé. Alors je vais vous souhaiter un bon carême, puis je me permettrai bien simplement de vous proposer une chose demain dans la journée. Essayez de faire jeûne. Et essayez de faire un petit peu abstinence de quelque chose. De viande, ça c'est la loi de l'Église. Tous les vendredis de carême, l'Église vous demandera de faire à nouveau abstinence. Réfléchissez, quel est l'effort que vous pourriez offrir à Dieu? Alors pour terminer, je voudrais revenir à mon homélie de dimanche dernier. Je ne saurais vous encourager à une chose. Ce jeûne et cette abstinence ne doivent surtout pas vous conduire à la tristesse. Et laissez l'Esprit Saint réveiller en vous la joie d'être aimé de Dieu. Et puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous avoir en vous le véritable bonheur, la joie. Notre pape Paul VI, au moment du concile, disait aux chrétiens, soyez des chrétiens joyeux, loyaux et fidèles. Eh bien, puissiez-vous tout simplement essayer d'être joyeux. Joyeux sous la face de Dieu et joyeux devant le regard de ceux qui vous entourent. Qu'on puisse constater que vous êtes heureux de suivre Jésus-Christ et heureux d'avoir été sauvé et d'être aimé. Je vous souhaite vraiment un bon carême, plein d'efforts, de prières, de réflexions, de partage et de joie. Bonne soirée.